Coucou mes choubidous! Alors, je reviens de chez Lidl. Ouais, j'ai pas fait mes racines. Bon, pas maquillée à nature, hein, je vous le dis. J'ai acheté ceci parce que moi j'adore le camembert avec des lardons. Ça me fait 2,49 €. Franchement, c'est super bon pour grignoter parce qu'il faut que je me grossisse parce que j'ai vraiment maigri. Quand je vous dis que j'ai maigri, c'est vraiment que j'ai beaucoup maigri, quoi. Voilà, mais vraiment. Donc, je voulais m'acheter une balance et puis. C'était à pile et comme j'en ai une qui est à pile, donc je ne vais pas en acheter une autre. Alors, j'ai acheté. En fait, c'était la semaine Italiana. Italiamo. Perché a me piace tantissimo l'Italia. Alors, ce sont des cornetti à la crema pasticceria. C'est à la crème pâtissière. Ce sont des croissants à la crème pâtissière. Cornetti, ça veut dire croissant. Pasticceria, ça veut dire pâtisserie. J'ai pris ceci, je sais, il faut que je cuisine, mais pour l'instant, je n'ai pas encore cuisiné. Attendez, je vais mettre un petit peu plus bas. Moi, comme ça, voilà. Pastiche, alors là, c'est des macaronis with ham et cheese. Bon, ça, c'est écrit en anglais. Ce sont un gratin de pâte et de jambon. Mais je pense que ça doit être sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est la marque Italiano. J'ai pris ceci pour déjeuner, c'est tout nouveau. Poulet bacon, select par Géo, salade sur mesure, origine France, je mélange les crudités et les pâtes. Voyez, sauce au fromage blanc, ajoute les accompagnements. Moi, je ne vais pas mettre la sauce au fromage blanc, je vais mettre une sauce vinaigrette à la mangue. Parce que j'adore la mangue. Je vais vous montrer. On va l'ouvrir. Je vais tomber. Alors, attendez, vous avez déjà la fourchette, on n'a pas tout perdu. Vous avez la fameuse sauce, un peu bombée, j'aime pas trop. Des croutons, ben je les garde pour mes soupes. Et là, ici, vous avez des petits compartiments. Enfin, on a l'impression que c'est des petits compartiments. On va ouvrir. Comme c'est tout nouveau, je ne connaissais absolument pas. Ça coûte 2,49 €. Il n'y a pas de mesclun. Ah, s'il y a du mesclun, je déteste ça. Alors là, vous avez du poulet. Vous mettez du poulet avec du bacon, mais vous pouvez manger que le poulet. Mais effectivement, ceux qui ne mangent pas de porc, ils ne vont pas manger ça parce qu'il y a le porc qui est mélangé. Donc, ils ont fait. C'est une mauvaise idée. Désolée, mais le choix, non, parce qu'il aurait fallu faire un compartiment différencié. Vous avez mélangé le bacon avec le poulet. Perso, moi, je m'en fous. Je mange du porc, alors je m'en fiche. Voilà, les pâtes et puis la petite salade. Voilà, tout un petit mélange de salade. À goûter, 2,49 €. Et ça s'appelle. Poulet bacon, il y a aussi salade fromage chèvre lardon. Ben non, mais c'est mort aussi. Je crois que c'est chèvre lardon. Alors, ceci, c'est de la porchetta. Alors ça, c'est délicieux, c'est italien. C'est fait, c'est en fait un gros cochon de lait qui est rôti avec des herbes et tout. C'est vraiment une spécialité en Italie. C'est la rosti. La rosita, moi j'ai la rostine, c'est la rosita. Alors, comme je vous dis, je mange italien. Combien ça? 3,49 € les gratins de macaroni, j'ai oublié de vous dire. 1,99 € les croissants. Ça, 2,49 €, mais c'est mieux que le jambon. Et ça, c'est la burrata, 1,99 €. Eh bien, je vais la manger. Je ne sais pas pourquoi, je tremble beaucoup. Je vais la manger avec. Comme ça, il faut que je regarde une recette. Elle est très fraîche. Voilà, ça, Alain, t'as vu? Alors, mascarpone et gorgonzola. Alors ça, c'est encore pire que le gorgonzola parce qu'il y a le mascarpone avec. Alors ça, pour du gras, c'est du gras. Hein. Mais c'est délicieux. 1,99 €. 1,99 € la burrata à ce prix-là, franchement. Voilà, et ça, c'est des poires. 1,49 €. Des endives. 1,99 €. Des mini-endives. Hein. Ouais, par contre, là, pour le coup, je me suis un peu fait avoir. 2 euros, il y en a combien? 3, 4, 5, 6. Mais bon, c'est des petites fraîches, elles sont peut-être meilleures que les autres. Et j'ai pris ça, j'en sais rien combien j'ai payé ça, 2 euros, je crois. Un hectare de pêche, produit régional. Voilà mes petits achats du jour, hein, ce que j'ai acheté. Je vous fais plein de gros bisous. Est-ce que ça vous tente que je fasse une vidéo, voilà, je vous embrasse très fort, c'est mes petits achats du jour, allez, franchement, j'en ai eu pour 22 euros, et j'ai tout ça, donc c'est vraiment cool, je vous embrasse très fort, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez,
Ma vidéo parce que ça fait plaisir, commenter parce que ça me fait super plaisir, sachant que la dernière vidéo, l'avant-dernière, ou enfin celle sur la pub Nana, j'ai énormément de commentaires. Il faut savoir que quand on dépasse les, je dirais même les 20 000 vues, là j'en suis à presque 100 000 vues, quand on dépasse les 20 000 vues, on commence à avoir beaucoup de haters qui viennent et qui, des hommes particulièrement, et qui vous critiquent et qui vous. Ouais, t'es une coincée, t'es ci, t'es ça, voilà, donc moi je les enlève d'office comme ça, je regarde même pas, ou je lis le commentaire et je rigole et puis je l'enlève, donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des milliards de bisous, je vous dis I love you, je l'ai dit, je te quiero, ti amo, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour voir mes prochaines vidéos, bye, ciao.